Le rêve de devenir footballeur, il est permis à tout le monde, faudrait-il qu'on vous le permette? Pendant 9 années, le Sénégal est sillonné du nord au sud, de l'est à l'ouest, centre intérieur. Ni la chaleur, ni les difficultés n'altèrent la volonté des staffs de détection qui feront 70 terrains dirigés par des équipes de coordination permettant de donner la chance à 50 000 jeunes par an. L'idée, c'est d'aller le plus loin possible à l'intérieur du Sénégal et d'essayer de dénicher les plus grands talents de football de la petite catégorie. Sur chacun de ces terrains, donc, on a une équipe de travail locale avec qui nous collaborons. Dénicher les meilleurs talents, où qu'ils soient au Sénégal et en Afrique et dans le monde d'ailleurs, c'est la première mission. Lorsque ces jeunes sont sélectionnés, les meilleurs auront droit à une bourse qui leur sera octroyée pour rejoindre l'académie qui se trouve à Salé. Et là, ils y seront pendant une durée de 4 ans où ils vont suivre leur formation jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans. Et là, on parle de formation aussi bien en termes de football que la formation à l'école. Après 9 ans de sobriété, une reconnaissance était méritée, n'est-ce pas, monsieur le ministre? Non seulement vous formez ces enfants, vous leur ferez un chemin pour qu'ils deviennent de véritables professionnels, mais au-delà de ça, vous accompagnez l'État à prendre en charge certaines questions, c'est pour les questions de santé. Je pense que ce que vous êtes en train de faire, quel que soit ce qu'on peut raconter de gauche à droite, vous forcez le respect, en tout cas au ministre des Sports que je suis. C'est pourquoi mes portes seront toujours ouvertes aux dirigeants d'Aspire. Nous allons discuter et voir comment nous pouvons être plus efficaces à vos côtés. Et ça, dans l'intérêt des jeunes du Sénégal et des coordinateurs qui aiment le sport dans lequel et la paix. Aspire Football Dreams, projet humanitaire, restera dans les profondeurs du Sénégal et dans les autres pays africains, permettant à tous ces jeunes d'entretenir ce beau rêve de devenir un jour Messi, Ronaldo, footballeur professionnel.